Ces images ont de quoi inquiéter les baigneurs en Floride. Prises par un sauveteur sur la plage de Waveland, elles montrent deux requins nageant à quelques mètres à peine de la côte. La vidéo a été diffusée lundi par les autorités qui ont ordonné la fermeture de toutes les plages du comté de Sainte-Lucie pour la journée. Elles ont depuis été rouvertes et font l'objet d'une surveillance constante. La diffusion de cette vidéo intervient alors qu'un drame impliquant des requins s'est produit ce week-end en Caroline du Nord. Deux ados de 16 et 13 ans ont été grièvement blessés par un squale dans deux attaques distinctes à quelques mètres d'une plage. Les deux victimes ont perdu leur bras gauche.